Je suis le frère Gama. Mon faisant de disciple, c'est le pasteur Douassaï. Amen. Et je veux rendre un témoignage de ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant que j'adore, vient de renverser le démon de l'échec dans ma famille. Amen. Je précise que j'ai deux enfants cette année qui sont en classe d'examen. Le plus jeune a passé le bac D cette année et il vient de l'avoir. Amen. Et la seconde, c'est la plus grande qui va présenter le BTS et la licence 3. Mais déjà, mon Seigneur que j'adore est un Dieu très puissant. Et il a exaucé mes prières. Et pendant mes 10 sujets, j'avais souligné cela. Pendant qu'on était en train de prier, le pasteur a ajouté, vous pouvez provoquer Dieu. Faites en sorte que vous pouvez attirer les bénédictions sur vous-même en faisant aussi des vœux. Frère bien-aimé, j'ai saisi cette prière et j'ai fait un vœu au Seigneur. Et voilà que, en chemin même déjà, mon fils vient d'avoir le bac. Et je suis convaincu que ma fille aura ses examens. Donc je me tiens là pour honorer cet engagement avec cette enveloppe que j'ai préparée. Nous allons lire pour nous le psaume 56. Read for us Psalm 56, versets 13 et 14. Verses 13 and 14. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Quelqu'un a dit, le frère Gama nous a donné le temps, nous a montré un exemple. Brother Gama showed us an example. Frère bien-aimé. Beloved brethren. L'intercession. Intercession. Demande beaucoup de supplications. Requires a lot of supplications. Essentiellement supplications. Mainly supplications. Dans les prières que nous faisons ici. In the prayers that we raise here, il y a les supplications. There are supplications. Pour que Dieu, le Créateur, le Juge Suprême, retire la malédiction for God, qu'il a lui-même prononcée contre les familles. For God, the Creator, the Supreme Judge, to remove the curse that he himself uttered against families. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Quand Adam et Ève ont péché, when Adam and Eve sinned, Dieu les a maudits. God cursed them. Il les a chassés. He cast them away. Quand nos ancêtres, when our ancestors, pratiquaient la sorcellerie, l'idolâtrie, were practicing witchcraft and idolatry, quand ils ont commencé à se mettre à genoux, se procéder devant les tortues, les lézards, les reptiles, les pitons, les magouillas. When they started to kneel down to prostrate before trees and tortoises, les and pierres, lizards, and stones, les cours d'eau, and streams, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu a maudit. God cursed. Nous vivons dans un monde maudit. We live in the world that is under curse. Dieu m'a dit, enseigne à mes enfants à me craindre. Que c'est lui qu'on doit craindre. Les gens ont tremblé devant Satan, comme si c'est Satan qui maudit la terre. One day, the Lord told me that teach my children to fear me. People shake, they tremble before Satan as if he's the one who created the world. Satan fut maudit. Satan was cursed. La terre maudite. And even the earth cursed. Par qui? Par Dieu lui-même. By whom? By God himself. Quand tes parents mettaient les êtres vivants dans la tombe pour poser un roi dessus, et fermé. When your relatives were putting a living being in the tomb where they buried and put a king on them and closed it. Dieu a maudit. God cursed. Et il s'est caché. And he was angry. Il a fermé la voie. That is, he hid himself. That is, he closed the way. L'apôtre dit qu'il a permis qu'on le cherche en tâtonnant. C'est-à-dire, il ferme la voie et il vous rend aveugle. That is,
He closes the way and makes you blind. Et le prophète dit nous gémissons à midi comme en plein jour comme la nuit. And the prophet said we groan in daytime as in the night. Nous tâtonnons. We grope about comme des aveugles le long des murs. As a blind on alongside a wall. Si tu comprends cette doctrine, if you understand this doctrine, tu auras des mots. We'll have words pour prier. To pray. Quand tu supplies, when you beseech, il y a deux choses que tu dois faire. There are two things that you do. You must do. Tu te consacres. You devote yourself. C'est-à-dire que tu t'éloignes des choses que Dieu condamne. That is, you depart from the things that God condemns. Pour qu'il voit comment tu es sincère. So that he can see how sincere you are. Et and tu lui fais des vœux. And you make oaths to him. Tu lui fais des vœux. Tu lui dis, si tu me bénis, si tu me pardonnes. You tell him, for example, if you forgive me, if you bless me, je veux parler de toi. I will speak about you. Si tu me pardonnes, if you forgive me, si tu m'exauces, if you grant me, si tu donnes le bac à mon enfant, if you bless my child with an A-level exam, je veux contribuer $1 million pour l'entreprise missionnaire. I will give a contribution of $1 million to the missionary enterprise. Ou 100 000. Or 100,000. Selon tes forces, on ne te force le. L'offrande est volontaire. According to your possibilities, the offering is voluntary. Si tu donnes 5 francs à Dieu, il va prendre. If you give 5 francs to God, he will take it then. Ça peut étonner. It can astonish. Un jour, le Seigneur m'a dit, le jeûne est une offrande. One day, the Lord told me, fasting is an offering. Quand on lance un jeûne, when we launch a fasting, tu donnes un jour, Dieu prend un jour. If you say one day, God will take the one day. Il utilise ça pour ton bien. He uses it for your good. Tu prends 10 jours, il prend les 10 jours. If you say you'll do 10 days, il takes utilise ça pour ton bien. He uses them to bless you. Tu prends 40 jours, il prend les 40 jours. If you take 40 days, he takes the 40 days. Il investit ça pour ton bien. Invest it for your good. Tu as beaucoup d'argent, tu prends 1,000 francs, tu donnes à Dieu, il prend. You have much money, you take 1,000, give it to God, he takes. Mais là-bas, il y a un classement. Il dit que nous allons paraître devant Dieu, chacun dans son rang. There is a ranking. That is, we'll appear before God, each one according to his rank. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Donc, il ne faut pas appauvrir ton intercession par l'avarice. So, you should not make poor your intercession by being stingy. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas faire de vœux. Je risque d'être infidèle. Tu as déjà échoué. Some people say, I will not make an offer. I may become unfaithful. C'est-à-dire la volonté de ne pas faire de vœux est déjà un échec total. You have already failed. That is the fact of saying that you are not sure to be faithful is already a total failure. Donc le psalmiste montre ici que il a fait de vœux à Dieu parce que Dieu l'a sauvé. Reprends la lecture. So the psalmist says that here that he makes an off to God, some offs to God, because God saved him. So, read it again. Psalm 56, les versets 13 et 14. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Car tu as délivré mon âme de la mort. When you delivered my soul from death, tu as garanti mes pieds de la chute. Tu as garanti mes pieds de la chute. You kept my feet from falling. Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. So that I walk before God in the light of the living one. Il dit le vœu que j'étais fait, le vœu que j'étais fait. He said that the oath I made to you. Il avait dit à Dieu. He told God.
Délivre-moi de la mort. Deliver me Je veux continuer à te servir parmi les vivants. I will continue serving you among the living ones. Et Dieu a exaucé. And God granted. Et proclame. And he proclaims. Il faut que j'accomplisse les vœux que j'ai faits. I must accomplish the oaths that I made. Donc tu es là, donne. You are there. Donne. Give. Donne. Give. Donne. Give. Give. Si moi j'étais un homme d'affaires. If I was a man, a businessman. Je dis à Dieu, donne-moi un chiffre d'affaires de 3 milliards. I would tell God, open the doors for me so that I will have a business of 30 billions. Et je te donne 1 milliard. 3 billions and I will give you an offering. Tout le bénéfice. All the benefit. Mais il y a des hommes d'affaires pour prier comme ça, leur cœur bat. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sages. There are businessmen, in order for them to pray this way, their heart is beating. It means that they are not wise. Donne-moi un bénéfice de 500 millions. Give me a benefit of 500 million. Je te donne 100 millions. I'll give you 100 million. Certains, après avoir fait le vœu, quand ça tombe dans leurs mains maintenant, ils regardent, ils touchent, ils déposent. Après, ils ramassent, ils touchent, ils regardent, ils déposent. There are some, after making that oath, and when it comes true, they touch the money and they look at it and they put it down. Les petits enfants, donne-moi le bac, je vais t'aimer. Après, le bac arrive, l'amour ne vient pas. Children, the kids, they say, Lord, give me the A level exam, and after that I will love you. And they get it. Donne-moi un époux, on va te servir. Give me a husband, we will serve you. Oh, donne-moi une épouse. Nous allons te servir. Give me a wife, we serve you. Et après le mariage. After the marriage. Les veillées sont finies. The prayer nights are over. Mon mari m'a dit de me reposer. My husband told me to rest. Accomplis tes vœux. Accomplish, fulfill your oaths. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons aujourd'hui, chacun va faire un vœu volontaire à Dieu. Today, each one is going to make a deliberate Seigneur, si l'évangile entre dans ma famille, Lord, if the gospel enters my family, voici le vœu que je te fais. This is the oath that I make to you. Frère, ça rend l'intercession puissante. Brethren, it makes the intercession mighty. Si c'est donne. If it is give. Et puis tu ajoutes donne-moi. And I say, after you add me, give me. Ça devient petit. It becomes small. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Psaume 55. Read for us Psalm 55. 2 à 15. Reading from 2 to 15. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux de la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité,
nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? What happens here? Le psalmiste décrit une situation où la violence règne. The psalmist describes a situation in which violence reigns. Les complots, la violence, les complots, la violence. Conspiration and violence. Les trahisons. Treason. Il dit que même l'ami, celui sur qui tu comptes là. Even the one on whom you, the one on whom you count, you rely. C'est de lui que vient même la plus grande attaque. Is the greatest attack is from him. Il dit. He says. S'il pouvait fuir cette s'il pouvait fuir, s'envoler, aller vivre au désert. If you could flee and fly to go and live in the wilderness, il le ferait. He would have done it. Mais il sait que la solution, ce n'est pas ça. But he knows that this is not a solution. Et il décide de prier. He therefore decides to pray. Il dit, divise la langue. He said, divide the language. Parce que tant qu'ils sont là, pour comploter, ça va continuer. Because as long as they are there to make plots, this will continue. Il faut les séparer. You must separate them. Il faut mettre la confusion dans leur complot. Set confusion in the conspiration. Reprends le verset 2. Retake verse 2. Tu peux voir ici ta famille. C'est comme ça que les gens vivent. You can see your family here. That's how people live. Tu veux dire à quelqu'un, j'ai acheté une voiture. Il dit, oh, ça c'est bien. Merci. Alors que dans sa tête, il est en train de lancer un sort. You can tell somebody, I have bought a new car. And he starts smiling, ah, this is good. Mon enfant a eu le bac. Hey, mon frère, mon enfant a eu le bac. Ah, il a eu le bac. My son... got his A-level exam and he laughs. C'est le bac. This is good. C'est bien, le bac. It's good, the A-level. L'enfant est déjà mort. But your son is already dead. Il finit. He finishes. Il tombe malade. He falls sick. Il ne peut pas travailler. He cannot work. Tous les concours. All the contests. Il échoue. He fails. Il laisse même le bac, il prend le BPC. He even leave the A-level side and takes the O-level. Il laisse le BPC, il compose avec le CP. And he leaves the O-level side and takes the... Il échoue. And he fails. Pourquoi? Why? Envoûté. Bewitched. Relis. Psaume 55, verset 2. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Quelle est cette prière? Il prie pourquoi? Continue. What is he praying for here? Continue. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Il s'y souffre dans son âme. He says that he suffers in his soul. Il dit à Dieu, écoute ma prière. Je souffre dans mon âme. He tells God, listen to my prayer. I suffer in my soul. J'ai du chagrin en moi. I have pain in me. Continue. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Frère, que personne ne te trompe. Let les no one les méchants you. Existent. The wicked one exists. Certains sont même les rencontres de prière. Some are even in the prayer meetings. L'erreur qu'ils commettent, the mistakes that they commit, c'est qu'ils viennent s'asseoir. Is that they come to sit. Ils attendent qu'on prophétise que tu es sorcier, viens, on te délivre. They are expecting that we give a prophecy saying that you are a witch, come so that we can deliver. Si tu es sorcier, if you are a witch. Et au lieu de venir confesser comme on confesse le péché, and instead of coming and confessing it as we confess sins, tu viens t'asseoir. You come and sit. Tu es sur les chaises. Tu crois que l'onction va te délivrer. You clean the chairs, believing that the anointing will deliver you. Tu ne seras pas délivré. You will not be delivered.
Il faut venir. You need to come. Je dis mes frères. And say, brethren, délivrez-moi. Deliver me. Comme la sœur qui a rendu témoignage a dit que il a appelé, il m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle a dit, viens attraper mon frère. Je vais lui dire quelque chose. And she called me, as a sister who testified, she called me and said, come and catch my brother. I will tell him something. I'll make some confessions. Elle dit, viens le soutenir pour qu'il supporte ce que je vais dire. That is, come and support him so that he can stand what I'm going to say. Elle a commencé à confesser. And she started confessing. Dès qu'elle a fini, as soon as she finished, la folie a commencé. The madness started. Mais elle avait déjà dit la vérité. But she had already said the truth. Là, on pouvait l'aider. So at this level, could help her. Si tu caches la vérité et la folie vient encore, if you hide the sins and the madness comes, qui va nous dire ça? Who is going to tell us? Il y avait une dame. There was a woman. Elle a passé beaucoup de jours chez nous à Kumasi. She spent many days in our house in Kumasi. Je savais qu'elle était sorcière. I knew she was a witch. Elle était là, elle ne dit rien. She was there, she said nothing. On prêche. We preach. Elle ne dit rien. She said nothing. On exhorte. We exhort. Elle ne dit rien. She said nothing. Un jour, je l'ai appelée. One day I called her. Je lui ai dit, tu sais. I told her, you know. Au lieu d'avouer, on te délivre. Tu es là, tu penses qu'on doit prophétiser. Si on te prophétise, ça ne va pas changer. You are there, you know you are a witch. And instead of confessing it so that we can deliver tu you. Tu dois avouer. You must say it. Tu te pends et on te délivre. You repent and we deliver you. Elle me dit, c'est vrai. She said it is true. Quand j'étais aux assemblées de Dieu, when I was in assembly of quand God, le pasteur prêche, je le vois nu. When the pastor preaches, I saw him naked. Quand je ferme les yeux, le vent souffle dans mes oreilles. When I closed my eyes, the wind blew in my ears. Tu vois, même au lieu de saisir l'occasion pour dire que quand je ferme les yeux, le vent souffle. Devant sous, et que moi-même je déduise que tu es sorcière. And instead of seizing the opportunity to say the truth, to confess, she is there saying, telling some tales. Écoute-moi très bien. Listen to me carefully. Tous ceux qui souffrent. Let all those that suffer. Parce qu'ils ont déjà été initiés, c'est avancé même. Because they have already been initiated, they have moved ahead far. Qu'ils se signalent avant la fin de la croisade. Let them signal themselves before the end of the crusade. Si tu restes calme, if you remain quiet, tu verras les délivrances à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu es là, rien ne bouge. You will see deliverances left and right, and you are there, nothing moves. Je ne parle pas de ceux qui sont initiés inconsciemment. Je parle de ceux qui pratiquent la chose. I'm not talking about those who are initiated unconsciously, but I'm talking about those who practice the thing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous avons la puissance de Jésus pour délivrer les sorciers. Nous ne tuons pas les sorciers, ne crains rien. We have the power of Jesus to deliver sorcerers. We will not kill you. Do not fear anything. Nous n'allons même pas te chasser. Nous n'allons même pas te mépriser. We will not despise you. We will not even cast you away. Parce que c'est le diable. Because it is the devil. Ce n'est pas toi, c'est le diable. It's not you, it's the devil. Nous allons te délivrer, tu vas aller au ciel. Le diable va aller dans le lac de feu. We deliver you, you go to heaven and the devil will go into the lake of fire. Mais quand tu vis dans une famille, but when you live in a family, où il y a les rivalités, la concurrence, la jalousie, where there are rivalries and jalousy, les complots, les commérages, and plots and gossiping, il ne faut pas te réjouir. Do not rejoice. Il ne faut pas t'envoler. Il y a des gens qui ont fui le village depuis peut-être 50 ans et n'arrivent même pas là-bas. Do not fly. There are some people who have fled from the village about more than 50 years. They don't go there. Le salmiste dit que s'il avait les ailes comme une colombe, c'est fini. Il s'envole, il s'en va. The psalmist said that if he had wings as a dove, he would have flown and go. Continue la lecture. Continue the reading.
partir du verset 6. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Tu vois, il dit que s'il avait les ailes, il allait partir, il s'envole, il vit dans le désert. Si tu t'envoles, tu vas dans le désert, tu n'auras pas la paix. He said that if he had wings, he would have flown and go into the wilderness. But if you fly and go into the wilderness, you don't have peace. Si tu ne salues plus ta mère, ça if ne you change no more, rien. If you no more greet your mother, it's not a ton solution. Ton père a faim, tu ne lui donnes pas à manger, tu es fâché, il est sorcier, ça ne change rien. Your father is hungry, you are angry, you don't give him food to eat, you cannot change anything. Quelle est la réponse? Quelle est la solution? Continue. What is the solution? Continue. Verset 10. Réduis à néant, Seigneur. Divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Même Judas commis ce péché contre Jésus. Even Judas committed that sin against Jesus. Tu manges avec quelqu'un. You eat with someone. Et il te vend. And he sells you. La réponse est l'intercession pour la famille. The answer is intercession for the family. Quand je préparais la rencontre, le Seigneur m'a fait comprendre que les deux derniers jours, les prières sont beaucoup sur nous-mêmes. When I was preparing the encounter, the Lord told me that those two last days, the prayer were focused on ourselves. Il faut ce soir, this afternoon, se lever contre tout ce qui est dans la famille qui trouble la paix. We must rise against everything that is in the family that troubles peace. Pas qui te trouble. Not that troubles you. Les deux derniers jours c'était ce qui nous trouble. The last two days we were focused on the things ce that trouble ce qui te barre la route. That which barred the way. Aujourd'hui, today, même s'ils sont dans l'ivrognerie, even if they are living in drunkenness, tu dois prier que you must pray that qu'ils soient sauvés. They must be saved. Qu'ils soient délivrés des complots des hommes méchants et pervers, des sorciers. You must pray for them to be delivered from the plots of perverse men and the wicked men, the witch. Vous voyez? You see? Cette sœur est partie pour chasser la concubine de son frère. That sister went in order to drive away the concubine of her brother. Mais la malédiction, l'odeur des caca tombe sur son frère. But curse and the smell of excrement fall on her brother. Il a tenté de dire à cette princesse que je vais t'épouser, il l'a méprisé même. He tried to tell sister princess that I would like to marry you. Elle she despised méprisé, him. Elle l'a méprisé. She despised him. Et vraiment, il était méprisable. And he was really despicable. Elle a dit la vérité. She said the truth. Son frère est délivré. Her brother was le pouvoir de l'envoûtement est brisé. The power of bewitchment is broken. L'action de ce soir. The action of this afternoon. C'est que ces choses-là finissent, que ça s'arrête dans la famille. Is that this thing should finish and stop. They should still in the family. Dieu, cette famille de murmures, de haine, de meurtre, de méchanceté, où l'ami trahit l'ami, ça doit s'arrêter. You should tell God that this family of murder, of wickedness, where the friend betrays the friend, must stop. Où un enfant ne peut plus
réussir à son baccalauréat. In which a child cannot even succeed his A-level exam. Ou bien on cache, on ne dit rien. On cache. On we hide, we say nothing. Personne ne doit savoir qu'il y a eu succès. Sinon, c'est la mort même. No one must know that there is a success. If not, it is death. Personne ne doit voir ton bonheur. No one should see your happiness. Dès que tu lèves la tête, la guerre commence. As soon as you raise your head, war starts. Ça doit finir dans ta vie. Ça doit finir dans la famille. It must stand still in your life and in the life of the family. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons prier que tous les actes d'envoûtement pratiqués contre quiconque soient brisés, détruits. We are going to pray that any act of bewitchment practiced by anybody against anyone in the family be broken. Et vous aurez le résultat. And you have the result. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Tu dis ça doit finir. You say this must finish. Ça doit finir. It must be over. L'hypocrisie. Hypocrisy. Il dit son ami intime. He said his close friend s'élève contre lui. Rises against him. On dit, on l'a envoûté. Quand on demande, qui a fait ça? Tu te retrouves devant ton ami qui te trompe tous les jours. He said, he's been bewitched. And we try to seek to know who did it. And you find yourself before your friend. Une sœur avait des problèmes dans un pays. A sister had some troubles in a country. Et quelqu'un lui a envoyé le brisement des liens. Somebody, le livre, le brisement des liens. Somebody gave her the book, The Breaking of Evil Ties. Elle avait des problèmes, des oppressions terribles. She was going through terrible oppressions. Elle a mis en pratique l'enseignement en priant comme on demande. La nuit, qui vient, c'est son père. She put into practice the teaching that is in the book, and she prayed as it is required in the book. And in the night, who comes? It is her father. Elle était étonnée. She was astonished. Que tous ces problèmes viennent de son père. That all her troubles stem from her father. Mais la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. The Bible says that the man's enemy will be those of his house. Si la paix règne dans ta famille, if there is peace in your family, la paix va régner dans ta vie. Peace will reign in your life. Si la paix règne dans ton village, if peace reigns in your village, la paix va régner dans ta vie. Peace will reign in your life. Si la paix règne dans ta nation, là où tu vis, if peace reigns in your nation, in your land where you live, il y aura la paix dans ta vie. There will be peace in your life. C'est une règle spirituelle. It's a spiritual rule. Et quand tu la connais, ta manière de prier change ou évolue. When you know it, your way of praying changes or evolves. Dis Père. Say Father. Tu connais mes parents. You know my parents. Du côté de mon père, du côté de ma mère. On my father's side and on my mother's side. Tu connais ceux de la belle famille. You know those of my family law. Et de toutes les autres alliances. And with all the other covenants. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tout ce qu'il convient d'appeler ma famille. What, whoever it is convenient to call my family. Tout ce qui peuvent être recensés comme étant membres de ma famille. All those who can be listed as being a member of my family. Je me tiens aujourd'hui. I stand today. Devant ta face. Before your face. Pour crier à toi. To cry out to you. Que tu viennes nous délivrer. That you come and deliver us. De ces angoisses. From this anguish. De ces frayeurs. From these fears. Que cause la méchanceté, la criminalité. Caused by wickedness and criminality. La violence, les violence, trahisons. Treasons. La sorcellerie. Witchcraft. La magie. Magic. Oh Père. Oh Father. Que la paix règne dans la famille. Let peace reign in the family. Oh Père. Oh Father. Je sais. I know.
que tu nous as abandonnés. That you have abandoned us. Parce que nous avons abandonné ta parole. Because we have abandoned your word. Les paroles de vie. The words of life. Que tu as enseigné à tous les hommes. That you taught all men. Nous les avons abandonnés. We abandoned them. Pour consulter les idoles. To consult idols. Pour consulter les féticheurs. To consult fetish men. Pour consulter les crânes. To consult skulls. Pour consulter les serpents, les reptiles. To consult creeping things and serpents. Pour interroger les araignées. To question pour spiders. Pour observer les nuages, les étoiles. To observe stars. Nous sommes égarés. We have been led astray. Et nos cœurs se sont endurcis. And our hearts have been hardened. Et nous sommes captifs de la violence, la méchanceté. And we are captive of violence and wickedness. Commence à intercéder que le Seigneur intervienne. Start interceding for the Lord to intervene. Ora bakashara gabagala kashara gabagala. Shara gabagashara gabagashara. Ora bakashara gabagala kashara. Ora bakashara gabagala kashara. Oh, ridalba sekemi sekumi sekumi. Sekumi 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 sekumi. Sekumi sekumi. Sekumi, 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 sekumi. Ori abaka, 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 ori abaka. Dieu, oh Père, oh Father, que leurs assemblées soient désertes. Let the assemblies be deserted. Oh Père, oh Father, que les langues soient divisées. Let the languages be divided. Fini les complots. Finish complots. Oh que la paix règne, que la paix règne. Let peace reign, let peace reign. Entre les enfants et les parents et les enfants, between les frères et les sœurs, les sœurs et les sœurs. Parents and children, fathers and sisters, entre frères et frères. Brothers la paix totale, la paix totale. Total peace, total peace. La paix totale, la paix totale. Total peace, total peace. Fini la sorcellerie. Finish. Which Dieu, oh Père, oh Father, que toutes les œuvres, let all the works, de l'envoûtement, the works of bewitchment, soient bannies, banished. Continue à prier. Ora bakashara 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 bakashara, ora bakashara bakashara, ora bakashaba, ora bakashaba rakasha, ora bakashaba ka, ora bakashaba ka. Kurabaka sabaga, kurabaka sabaga, kurabaka sabaga, kurabaka sabaga. Dieu Père, oh Father, que l'idolâtrie soit abandonnée, 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 abandonnée. Kurabaka sarabaka sarabaka, kurabaka sarabaka sarabaka, kurabaka sarabaka sarabaka. Ora bakasar bakasar baka ora bakasere kandara baka ora bakala bakala baka Dieu oh Père, Dieu oh Father, nous savons, nous we know, que tu t'es caché, that you have hidden yourself, tu t'es enveloppé d'obscurité, you have wrapped yourself with darkness, pour fermer accès à la révélation et à la prière, to block access to revelation and prayer. S'il te plaît Seigneur, please Lord, laisse-toi trouver, let yourself be found. Dieu oh Père, oh Father, de même que tu es parti chercher Adam, as you went to seek Adam, qui était nu et caché, who was hidden and naked, viens nous chercher, come and seek us, viens nous chercher, come and seek us. Nous sommes nus et cachés, we are naked and hidden, nous sommes nus et cachés, we are naked and hidden, nous sommes tout tremblants devant ta gloire, we are trembling before your glory. Oh laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, let yourself be found. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, have mercy on us. Nous méritons, nous méritons. We deserve, nous méritons les ténèbres. We deserve darkness. Nous méritons l'obscurité. We deserve darkness. Oh Père. Oh Father. Pardonne. Forgive. Révèle-toi, révèle-toi. Reveal yourself, reveal yourself. Que les idoles soient jetées dehors. Let the idols be cast out. Que les conversions soient authentiques. Let conversions be genuine. Que les idoles soient brûlées. Let idols be burned. Que les crânes soient brûlés. Let the skulls be burned. Que les masques soient brûlés. Let the masks be burned. Oh, que ce soit évident. Let it be conspicuous. Que la gloire de Dieu entre dans les familles. That the glory of God enter, continue à prier, continue à prier. Continue to pray.
Dis, oh Père, say, oh Father, exauce-nous, answer us, continue à prier, continue à prier. Lis pour nous. Read for us. Jérémie 2, verset 27 et 28. Asseyez-vous. Jeremiah 2, verse 27 and 28. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Amen. Lis encore le verset 27. Écoute. Read verse 27 again. Listen. Ils disent au bois. Ils disent au bois. They tell the wood. Tu es mon père. Tu es mon père. You are my father. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. And to the stone, you gave me life. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Verset 20. Tu vois, c'est ce que nous faisons. Les gens font ça tous les jours. That's what we do. People do it every day. Ils consultent l'horoscope. They consult horoscope. Il dit, moi je suis poisson. They say, I am fish. Je suis bélier. I am ram. Il dit, ça fait même honte. It is shameful. Ils vont les marabouts. They go to the witch doctor. Marabout dit, prends cette écorce. And he said, take this bark. Personne ne doit voir ça. No one must see it. C'est ton protecteur. It's your protector. Tu as un procès, mets ça dans la bouche. If you have a trial, put it in your mouth. Il y a même des hommes, les femmes qui vont chez les féticheurs et disent, je veux que tu me laves, surtout les femmes. Je veux que tu me laves pour que les hommes me donnent beaucoup d'argent. There are some women, generally the women, they go to the marabout and say that I want you to wash me so that men can give me much money. Certains comptent sur leur bouche. Tant que j'ai ma bouche là, je ne crains rien. Some rely on their mouth. They say, as long as I have my mouth, I fear nothing. Ils pensent que le mensonge peut les sauver. They think that lie can save them. Dans certaines sociétés ou dans certains villages, in some societies or in some villages, quand une femme est là, c'est qu'elle a son cacao, son corps c'est le cacao. When a woman is there, she's just like the cocoa farm. Her body is a cocoa farm. Donc, quand elle pense à son cacao, tu lui dis de prier, elle dit, quelle prière? J'aime mon cacao. And when she's selling a cocoa, you tell her to pray, she says, why? Why shall I pray? I have my cocoa. Il y en a qui ont des chaînes. Avant, c'était le bois. Maintenant, ils ont des chaînes, des bagues. Some now, in the past, it was the woods, but now some have chains and rings. Et Dieu dit, and God says, quand tu veux adorer, when you want to worship, tu adores d'autres choses. You worship other things. Mais quand tu es dans les problèmes, but when you are in trouble, tu dis, oh Seigneur éternel. You say, oh Lord God. Tu dis, mais pourquoi tu m'appelles? You say, now, why do you call me? Appelle les dieux que tu adores. Call the gods that you worship. Appelle le dieu du mensonge. Call the god of lie. Appelle le dieu de prostitution. Call the god of prostitution. Appelle le dieu de la bière. Call the god of beer. Tu es coincé. You are blocked. Tu dis, eh, oh éternel. You say, oh Lord. Quand tu ne peux plus dormir. When you can no more sleep. Les esprits de mort que toi-même tu es parti soulever. The spirit of death that you yourself went to take. Qui t'empêche de dormir. They prevent you from sleeping. Quand tu veux maintenant la délivrance. And now when you want deliverance.
Tu dis, oh Dieu, sauve-moi. He said, oh God, save me. Il dit, je ne veux pas te sauver. He said, I cannot save you. Qu'est-ce que Dieu veut dire? What does God want to say? Dieu veut que tu décides que tu vas l'adorer. God wants that you decide that you will worship him. En esprit et en vérité. In spirit and in truth. Dieu veut que tu arrêtes avec le mensonge. God wants you to end with lies. Parce que quand tu adores Dieu, quand Jésus parle d'adoration, il dit adorer en esprit et en vérité. Jésus ne dit pas adorer moi. Non. When we talk about worshiping and what Jesus talked about worshiping, he said worshiping in spirit and in truth. Quand Jésus veut enseigner l'adoration, when Jesus wants to teach worship, il dit qu'il faut que ce soit en esprit et en vérité. He says that it must be in spirit and in truth. En esprit veut dire que tu n'as pas besoin de chapelet, de crucifix, de bouteilles d'huile. Il y en a qui boivent l'huile. Il dit c'est l'huile du prophète. Le prophète lui a donné. Il boit. In spirit means that you don't need the chapelet, you don't need oil, you don't need bottle, etc. Il y en a qui marchent avec les effigies des prophètes. Some people walk with the images of prophets. On leur enseigne qu'il faut que tu aies sur toi un objet qui a été en contact avec un homme oint. They are taught that they must walk with them an object that has been in contact with an anointed man. Où est la différence? Les écorces. Where is the difference with the barks? Jésus dit, Jesus en esprit, ça dit tu ne dois pas toucher quelque chose. Tu ne dois pas voir les objets. Tu adores Dieu en pensant en lui dans ton cœur. D'une manière sincère, propre. Jesus said in spirit, that is, you don't need to see something, to touch things. You worship God in your spirit, sincerely in your heart, in a clean way. Si tu adores, if you worship, en regardant un objet, un outil, une chose, une photo, by looking plus en esprit, en vérité. When if you worship by looking an object, a picture, etc., it means that it's no more in spirit than in truth. En vérité veut dire in truth means que tu es sorti des ténèbres. That you have come out of darkness. Et quand tu dis à Dieu, oh mon Père, and when you tell God, oh my Father, c'est vrai. It is true. Tu ne le trompes pas. You are not deceiving him. En vérité, in truth, en esprit, and in spirit, tu peux le faire. You can do it. Et tu dois le faire. And you must do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu ne le fais pas, if you don't do it, tu veux dire que tu viens ici pourquoi? Then you say, why are you coming here for? Fais les choses de telle sorte que tu récoltes le bonheur. Do things in such a way that you can harvest happiness. Fais. Do. De telle sorte que tu aies le témoignage en toi que tu es dans la vérité. In such a way that you have the testimony in you that you are in the truth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la vie à Jésus avant qu'on continue? Is there someone who would like to give his life to Jesus before we continue? Qui veut laisser l'hypocrisie commencer une adoration en esprit et en vérité? Who si wants c'est to toi, leave, lève la main. If you want to, who wants to leave aside hypocrisy and start a worshiping in spirit and in truth? If you are the one, raise your hand. Venez devant ici. Come in the front here. Lève-toi et viens. Rise up and come. Venez rapidement, rapidement. Come quickly. On a arrêté la prière pour que tu arranges ta vie, pour que tu rentres stop dans the prayer wait, for you to set order in your life. Vous acclamez comme si vous regrettez la conversion. Waiting as if you are regretting the conversion. Jésus Christ. Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Oui, acclamez pour celle-là. Yes, clap for this one. Qui d'autre? Who else? Venez,
Venez rapidement vous réconcilier avec Dieu et on va continuer. Come quickly and then to reconcile yourself with God and then we continue. Oui, acclamation, acclamation. Yes. Clap. Tous ceux qui veulent se donner à Jésus doivent sortir maintenant et se tenir devant. All those who would like to give their life to Jesus must come out now and stand in the front. Si tu as rétrogradé, if you have backslided, n'attends pas un appel spécial, lève-toi, tu reviens. Do not wait for a special calling, rise up and come. Tu étais avec Jésus. You were with Jesus. Tu es retombé dans le péché. You fell in sin again. Et tu veux revenir dans la maison de ton père. Viens maintenant. And you want to come back in the house of your father. Come now. Si un démon, si une voix te dit, reste avec moi. If a voice tells you, remain with me. Ne pense pas que c'est la voix de Dieu. Do not believe it's the voice of God. Pendant que j'appelle les gens devant ici, s'il y a une voix qui te dit, restons ici, c'est la voix du diable. Chasse-le et viens. While I am calling people to come in the front here, if you hear a voice telling you that, let's remain here, it's the voice of the devil. And you cast it away and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Satan. Retire-toi vite. Depart quickly. Va-t'en et libère cet homme. Go and release that man. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Je suis sûr que quelqu'un a été délivré par cette prière. Lève-toi, tu viens. And come. I'm sure someone has been delivered by this prayer. Rise up and come. Satan, va-t'en vite. Satan, go speedily. Tu ne retiendras aucune âme ici. You shall hold back no one. Va-t'en vite. Depart speedily. Nous brisons les chaînes de l'endurcissement. We break the chains of hardening. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un frère, lève-la parce qu'il faut arracher. If you are a brother, raise your hand. Du diable. Because you must snatch people from the hands of. Si tu es un frère, lève la main droite. Si tu n'es pas un frère, tu gardes la main. If you are a brother, raise your right hand. If you are not a brother, then you keep your hand down. Nous proclamons. Say we proclaim que Jésus nous a envoyé. That Jesus sent us pour faire de toutes les nations des disciples. To make disciples of all nations. Que dans toutes les batailles. But in all the battles. Concernant le salut des âmes perdues. Concerning the nous salvation avons la victoire. Of lost souls, we nous have avons victory. La victoire. We have victory. Satan, retire-toi. Satan. Get away. Que toute âme soit libérée au nom de Jésus. Let any soul be free in the name of Jesus. Baissez les mains. Take down your hands. Qui doit venir? Lève-toi et viens. Who must come? Rise up and come. On peut prier maintenant pour les autres. We can now pray for the others. Je t'arrache des mains du diable. I snatch you from the hand of the devil. Lève-toi et viens. Rise up and come. Acclamation à Jésus-Christ. Ovations to Jesus. Levez vos mains. Raise your hands. Prions avec eux. Let us pray with them. Demandons que le Seigneur leur accorde la grâce. Let us ask the Lord to grant them his grace. Qu'ils soient en même temps désenvoûtés de tous les complots de leur famille. That they should be disbewitched from all the plots of their family. Ils sont arrivés au bon moment pendant que nous sommes en train de parler de ces choses. They have come at the right time while we are speaking about these things. Il y a un rétrograde qui ne veut pas venir. There is a backslider who doesn't want to come. Il était en Christ. He was in Christ. Lève ta main. Raise your hand. Je vais envoyer un pasteur te chercher. I will send a pastor to fetch you. Frère, bien, on va le chercher.
Brother Mia, go and fetch him. Go and take him. Lève la main que le frère voit ta main. Raise your hand so that Brother Mia can see you. Oh Seigneur Jésus. Say, oh Lord Jesus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Forgive me, forgive me, forgive me. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Forgive me, forgive me. J'ai fait des mauvaises choses, j'ai dit des mauvaises choses, j'ai pensé des mauvaises choses. I said evil things. I thought evil things. J'ai pensé mal, j'ai agi mal, j'ai parlé mal. I did wrong. J'ai commis tous ces péchés. I committed all these sins. Je m'en repens, je m'en repens. I repent, I repent. Je m'en repens, je m'en repens. I repent, I repent. Dieu Père, pardonne. Oh Father, forgive me. Toutes les conséquences. All the consequences. De tous ces péchés sur mon corps. Of all these sins on my physical body. Dis pardonne-moi, pardonne-moi. Say, oh Lord, forgive me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous vous séparons. We separate you. De tous les esprits. From all the spirits. Qui vous ont suivi. That followed you. À cause de ces abominations. Because of these abominations. Oh Père, pardonne les conséquences. Oh Father, forgive the consequences. Pardonne les conséquences. Forgive the consequences. Guéris celui qui a besoin de guérison. Heal those who need healing. Que ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. Let those who are bewitched be disbewitched. Séparez de la malédiction de la famille. Separate it from the curse of the family. Séparez de la malédiction de la famille. Separate it from the curse of the family. Séparez de l'idolâtrie de la famille. Separate it from the curses of the family. Dis Seigneur. Say Lord. Je ne veux plus rentrer manger ce que j'ai vomi. I no more want to go and eat what I vomited. Je veux te servir. I want to serve you. Avec tes enfants, avec with your children. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Asseyez-vous. Get seated. Et les gens de délivrance, prenez celle-ci. Those of deliverance, come and take this lady. Allez la délivrer à vous ramener. Go and deliver her. And bring her back. Nous allons continuer l'intercession. We continue the intercession. Le Seigneur veut le salut des familles. The Lord wants the salvation of families. Priez que si on veut initier un enfant, que ça rate. Let's pray that if they want to initiate a child, let it fail. Si on veut lancer le sort, que ça rate. If they want to cast a spell, let it fail. Tout ce que le diable veut enseigner, que ça rate. All that the devil wants to teach, let it fail. Si quelqu'un effectue un voyage pour aller chercher un fétiche, que le fétiche se gâte en route. If someone travels to go and seek a fetish, let it be spoiled on the way. Si on invite un marabout, que le marabout dise, hey, ce que je vois là, je ne veux pas arriver là-bas. If a marabout is invited, let him say that what I see, I cannot go there. Dis Seigneur. Say Lord. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. Nous le proclamons. We proclaim it. Et nous te donnons nos familles. And we give you our families. Protège-les. Protect them. De tous les sortilèges. From all the spells. De toutes formes de sorcellerie. Any forms of witchcraft. De la magie noire, de la magie blanche. Black magic and white magic. Toutes sortes de mal, toutes sortes de mal. Any kind of evil, any que kind ton of esprit wrong. Soit dans notre famille. Let your spirit be in our families. Oh Père, say, oh Father, que la parole qui dit, let the word that says, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come as a river, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The spirit of the Lord will set him to flee. Que cette parole s'accomplisse dans nos familles. 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 Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse. Let His word be fulfilled. 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 Dora gabaga sher gabaga
Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous ceux qui ont déjà été envoûtés. Let all those who have been already be reached. Soient délivrés maintenant. Be delivered now. Que tout envoûtement contre eux soit brisé. Let any bewitchment against them be broken. Que les captifs soient libérés. Let the captives be released. Que tous les pièges soient détruits. Let all the traps be destroyed. Tous les pièges soient détruits. All the traps be destroyed. Continue à prier. Continue to pray. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toutes les maladies. Let all the diseases. Causées par les envoûtements. Caused by bewitchments. Par la méchanceté des envoûtements. By the wickedness of que toutes ces maladies. Let those sicknesses. Soient bannies. Be banished. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous ceux qui en souffrent soient délivrés. Let all those who are suffering from them be délivrés, delivered. Délivrés, délivrés, délivrés. Authentiquement, authentiquement. Genuinely. Continue à prier, continue to pray. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand upon dis your head. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'invoque le feu de Dieu. I call the fire of contre God toute maladie. Against any sickness qui habite mon corps. That dwell in my body. Et qui a pour origine un envoûtement. And which stem from a bewitchment. Une méchanceté humaine. A human wickedness. Une volonté humaine. A human will. Tout ce qui est contre moi. All that is against me. Qui vient de la volonté de l'homme. Which is from the will of man. Je le bannis. I banish it. Je l'anéantis. I break it to et je chasse ce mal. I cast out this evil de mon corps. From my body. Je chasse ce mal. I cast out this pain. Je chasse cette douleur. I cast out this pain. Je chasse cette infirmité. I cast out this infirmity. Continue à insister, insiste. Insist, insist. Go la baka sakabaka sakabaka. Ora baka sakabaka sakabaka rakabaka sakabaka. Ora baka sakabaka rakabaka sakabaka. Ora baka sakabaka rabase. Ora baka sede. 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 Gloria bakase de kasama. Gloria bakase kara. Di maladie vata, maladie vata. Sickness go. Maladie vata. Disease be gone. Maladie. Di au nom de Jésus. In the name of Jesus. D'un commun accord. In one accord. Nous commandons à toute maladie. We command any sickness. Provenant d'un envoûtement. Coming from bewitchment. De partir. To go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va-t'en. Depart. Prions à l'encalabaka. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Vous savez, certaines de ces choses-là peuvent être que c'est toi-même qui es parti chercher. La sœur est partie pour délivrer son frère. It may happen that some of these things you yourself went femme to seek them. The sister went to deliver her brother. Ça devient que son frère est maudit, célibataire chronique. It becomes that his brother is cursed. And became a single, chronicle single. Oui, oui, oui. Va-t'en, ne reviens plus. Go and no more come back. Tu es parti. You are gone. Tu dis, je veux la chance. And you went and say, I want chance. Où est cette chance? I want luck. Ça devient une maladie. Where is it? It becomes a sickness. Je veux que ton intelligence ouvre. I want your understanding to be que open. Que tu combattes en esprit en vérité. That you command in spirit and in truth. C'est pour cette raison que Jésus a dit que that's le voleur ne vient que pour voler. That's why Jesus said the thief comes qui, only to steal. Qui t'a trompé? Who deceived you? Que Satan peut te protéger. That Satan can protect you. Le mal que tu as là. The pain that you suffer. C'est toi-même qui es parti chercher. You went to seek it yourself. Tu dis un voleur viens me garder. You tell a thief, come and keep me. Voilà sa bonne manière de te garder. Here is his best way of keeping chasse-le.
Cast him out. Dieu t'a déjà pardonné. God has already forgiven you. Il dit que tu ne dois plus rester. You tell him you will not stay anymore. Que cette maladie s'en aille. Let this sickness depart. Que s'en aille, que s'en aille. Depart, let it depart. Comment prions ensemble? Let us pray together. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Même si c'est moi-même. Even if I myself. Qui suis allé chercher. Went to seek it. Je me suis repenti. I repented. Satan, va-t'en. Satan, go. Prends ta maladie. Take your sickness. Tu es un menteur. You are a liar. Tu disais que c'est pour la protection. You were telling me it is for protection. Il n'y a pas de protection. There is no protection. Il n'y a pas de bon Satan. There is no good Satan. Prends tes maladies. Take. Va-t'en, sors. Go. Get out. Sors de ma vie. Get out from my life. Sors de la famille. Get out from my life. Sors et va-t'en. Get out from my family and go. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray. Oh, la bakase karabaso karabaseuka. Seve kere bote remasende randa ya masote kere mataramasa katara masembe rikutana zikende zikone zikaba zalta yeteri ya makamba nze yatanim uri abakasete rebaltara masumaka yede yete yete ramasana yede 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 halbasina. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tout blocage. Let any blockage. Qui est venu dans ma vie ou dans la famille. We came in my life or in the family. Par les mêmes voies. By the same ways. Par le mensonge du diable. By the lie of the il devil. Il est entré. Who came. Il dit je vous apporte la richesse. And say I'm bringing you. Maintenant, ce n'est plus la richesse. Now it's not rich, ça devient les maladies incurables. It become incurable sicknesses. On regarde à l'hôpital, on ne voit rien. We look, we analyze at the hospital. Chaque examen dit il n'y a rien, on ne voit in rien. Any analysis that says nothing. Va-t'en. Go. Tout blocage. Any blockage. Est renversé. Is removed. Tout blocage. Any blockage. Est brisé. Is broken. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go now. Nous libérons la vie de tous les membres. We release the nous the libérons life. Les projets, nous libérons les vies. We release project, we release nous libérons life. Les projets, nous libérons we les release vies. Project, we release lives. Korobasaka, rokabakasaka ba. Korobakasoro bakashara gabakashoro gabakashara gabaka. Korobakashoro gabaka. Dis au Père, oh, Father, ce sont des miracles que nous demandons. We are expecting nous miracles. Savons we know que humainement, that humanly, rien n'est possible. It's not, nothing mais is possible. À ton nom by your name, et par la foi en Jésus-Christ, and by faith in Jesus, tout est possible. All is possible. Au Père, ces miracles. Au Père, renverse cette montagne. Au Père, ce miracle. Au Père, renverse cette montagne. Déracine les collines, déracine. Uproot. Déracine les montagnes. Uproot mountains. Fais rouler les montagnes. Make mountains roll. Pour délivrer le peuple qui crie à toi. To deliver the people which is crying out. C'est toi le vrai Dieu. You are the true God. Le Dieu tout-puissant. The Almighty God. Oh, fais sécher les courants d'eau. Oh, dry the oh, waters. Fais sécher les rivières. Dry the rivers. Fais sécher les fleuves. Dry the flood. Manifeste ta grandeur. Show your greatness. Délivre un peuple en captivité. Deliver the people in captivity. Envoie la bonne nouvelle. Bring good news. Oh, accomplis ta parole d'Isaïe 61. Accomplish your words. Oh, tu es venu apporter de bonnes nouvelles. You came to bring tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. You came to bring tu es venu to leave rendre libres les prisonniers. You came to release tu es venu prisoners. Libérer les captifs. You came to release tu es venu transformer ton peuple you came to transform your people. En une plantation de la justice. In a plantation. Continue à prier. Continue to pray. Garde le calme. Keep quiet. Tu peux enlever les mains de ta tête. You can remove your hands from your head. Si Dieu te donne un message, tu copies dans ton cahier. If God gives you a message, write it down in your book. Si c'est une vision, if it is a vision, si tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? If you don't understand, say Lord, what does it mean? Après, tu te concentres.
And after you devote yourself to him. Après tu lui dis Seigneur. After you tell him Lord. C'est toi. It is you. Que nous devons adorer. That we should worship. Les grands, les petits, les vieux, the les great, adultes, les young, jeunes, the old, les pauvres, les riches. The youth, the rich and the toi, poor. C'est toi, c'est toi. It's you, it's you. Et tu crois que tu es délivré. And you believe that you are delivered. Tu vas expérimenter la guérison que tu attends depuis. You will experience the healing that you are waiting long chaque ago. Chaque chose a sa clé. Each thing has its key. Dieu a donné la clé pour ta guérison. God gave the key for your healing. Tu es parti te vendre sans savoir. You went and sell yourself without knowing it. Tu te demandais ça vient d'où ça? Qui m'a fait ça? Qui you m'a fait ask ça? Yourself, what is it coming from? Who did it to me? La révélation de ce soir c'est que c'est toi-même. The revelation of this afternoon is that it's you yourself. Tu es parti. You went. Tu dis regardez qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu un songe. He said, look, what happened to me? I have a dream. Rien que cette petite visite là. Only that little visit. Le voleur a tout pris. The thief took all. Et toi, tu es là, tu le respectes. And you are there, you respect him. Je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. I don't eat that. Ce sont mes totems. They are my totems. Si je mange, if I eat, le génie va se fâcher. The ghost will get angry. Tu adores le voleur. You worship the thief. Si tu as bien prié, if you have prayed well, tu ne verras plus cette montagne. You will no more see it. Commence à prier que si un démon veut se cacher dans ton corps, qu'il parte parce que. Start praying that if a demon wants to hide in your body, let him depart. Tout ce qu'on a dit là, il entend, mais il attend que tu lui dises de quitter. He's waiting for you to tell him to leave. Gardez le calme. Keep silent, please. Que tous les esprits humains, let all the human spirits, qui te suivaient, which were following you, à cause de ce commerce démoniaque, because of this demonic trade, qui s'en allait au nom de Jésus-Christ. Let it go in the name of Jesus. Esprit méchant. Wicked spirit. Derrière ces envoûtements. Behind those bewitchments. Sors et va-t'en. Get out and depart. Sors et va-t'en. Out and be gone. Tout esprit, any spirit, dont la force était l'envoûtement, which strength was the bewitchment, tu es renversé, you are pulled down, tu ne restes pas, you will not remain. Manifeste-toi et va-t'en vite. Show yourself and go speedily. Tous les esprits, all the spirits, qui sont venus par l'adoration des eaux, which came by the worshiping of waters, avec le mensonge, with lie,
Si tu viens des eaux, si tu viens des eaux, si tu sais que tu viens des eaux. If you know that you are from waters. Va-t'en vite. Go speedily. Je libère tes captifs. I release your captives. Libère tes captifs. I release your captives. Libère tes captifs. I release your captives. Je proclame ta ruine. Je proclame ta ruine. Je proclame ta ruine. Je proclame ta chute. I proclaim your ruin. Va-t'en vite, vite. Be gone speedily. Je proclame ta chute. I proclaim your fall. Je proclame ta chute. I proclaim your Je proclame ta chute. Je proclame ta chute. Je proclame ta ruine. Je proclame ta ruine. I proclaim your ruin. Va-t'en vite, 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 vite. Be gone speedily. Va-t'en vite, vite, vite. Be gone quickly. Tout esprit humain. Non. Any human spirit. Toi, esprit de serpent. You, spirit of snake. Qu'on adore à travers les eaux. That is worshipped through the waters. You are exposed. So, maintenant, va-t'en. Out now and depart. Tout esprit de serpent. Any spirit of snake. Qui vient des eaux. Which is from the waters. Va-t'en vite. Go speedily. Va-t'en vite. Go speedily. Va-t'en vite. Go quickly. Va-t'en vite. Go quickly. Tout esprit de serpent. Any spirit of snake. Toi qui viens de l'eau. You are from the waters. Viens de l'eau. You are from waters. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Esprit de serpent. Spirit of Satan. Esprit de serpent. Spirit of snake. Qui vient de l'eau. Which is from water. Qui vient de l'eau. Which is from water. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Ora bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakashara. Tu es renversé. You are overthrown. Tu es dépouillé. You are tu es renversé. Overthrown. Tu es dépouillé. You are tu es renversé. Tu es dépouillé. Sors. Get out. Va-t'en. Go. Et ne reviens plus jamais. And no more come. Gora bakashoro bakashara baka. Esprit. Spirit. De serpent. Of snake. Qui vient de l'eau et l'adoration des eaux. Which is from the worship of sors. Water. Out. Va-t'en. Be gone. Et ne reviens plus. And no longer et ne reviens come. Plus. No longer come. Gardez le calme. Keep quiet. Esprit de serpent. Spirit of snake. Qui joue le rôle de mari de nuit. You play the role. Sors. Spirit of husband. Get out. Sors. Get out. Serpent, serpent, serpent. Snake, snake, snake. Marie de nuit, serpent, marie de nuit, serpent. Spirit of husband, snake. Va-t'en. Spirit of husband, snake. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Depart. Sors. Go. Sors. Go. Sors. Go. Sors. Go. Sors. Go. Gardez le calme. Keep silent. Toi qui es un esprit de serpent. You who are a spirit of snake. Même si tu ne viens pas de l'eau. Even if you are not from waters. Que tu viens des montagnes. And you are from the mountains. Ou des forêts. Or forests. Tu es exposé. You are exposed. Tu es renversé. You are overthrown. Tu es dépouillé. You are stripped. Tu es dépouillé. You are stripped. Sors, va-t'en. Get out and go.
Sors. Get out. Va-t'en vite, vite, vite. Go speedily. Même si tu es dans un trou spirituel, even if you are in a spiritual pit, nous envoyons le feu de Dieu dans ce trou. Bring the fire of God. Sors. Get out. Et va-t'en. And go. Toi, mari de nuit. You, spiritual husband. Toi qu'on a adoré. You, has been worshipped. Avec les pains, les draps blancs. With white sheets. Avec les statuettes. With statues. Va! Go! Tu n'es pas Dieu. You are not God. Tu n'es pas Dieu. You are not God. Sors maintenant et va-t'en. Get now and go. Sors. Get out. 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 Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Va-t'en. Go. 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 Baka shere baka. Go baka shere baka. Go baka shere baka. Kereta 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 kereta. Kereta, 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 kereta. Même si tu es caché, even if you are hidden, que tu n'as jamais touché à la personne. And that you have never touched the person, you are hidden. Va-t'en! Go! Tous les démons, all the demons qui sont venus, who came, parce qu'on t'a lavé, because you've been washed, dans la mer, la lagune, in the fleuve, sea, in the lagoon, in the tous river, les démons, all the demons qui t'ont suivi, which followed you, parce qu'on t'a lavé, because you've been washed. Tu es libéré. You are released. Tu es libéré. You are released. Démon, va-t'en. Demon, go. Va-t'en, 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 va-t'en. Go. Satan, va-t'en. Satan, go. Ne touche à aucun enfant. Do not touch any child. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. Get out, sors, va-t'en, sors, get va-t'en. Out and go. Restez concentré et avancer dans la consécration à Dieu. Remain focused. And la contemplation, la concentration. Continue to devote yourself to God. S'il y a quelqu'un parmi vous, if there is someone in your midst, qui est poursuivi par un démon, who is pursued by a demon, le démon a vu comment tu as donné ta vie à Jésus. The demon saw how you gave your life to Jesus. Et le démon sait que quand Jésus entre, lui doit partir. And the demon knows that when Jesus enters, he must go. Satan, va-t'en vite. Satan, go speedily. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu es renversé. You are overthrown. Va-t'en, sors et va-t'en. Get out and go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus.
que tout démon, let any demon qui a suivi which followed à cause des pratiques the brother here, dans les eaux, because of practices in waters, dans la mer, in the sea, dans la lagune, in the lagoon, même si tu n'étais pas là, even if you're not there, quand on a fait ça contre toi, and I did it against you, je déclare que tu es libre. I proclaim that you are free. Je déclare que tu es libre. Proclaim that you are free. Et j'ordonne à tout démon qui t'a suivi. And I commend any demon that follows. Sors va-t'en. Get out and go. Sors va-t'en. Sors va-t'en. Sors va-t'en. Sors va-t'en. Get out and go. Get out and go. Merci. Thank you, Lord. Ora bakasharga bagalaga. Maintenant, si un esprit de mort. Now, if there is a spirit of death, qui habite quelqu'un, that dwells in anyone, ou qui suit quelqu'un, or that follows anyone, ou qui a enfermé quelqu'un dans un lieu spirituel, or that has locked someone in a spiritual place, tu es frappé. You are stricken. Tu es frappé. Tu es frappé. You are stricken. You are stricken. Va-t'en maintenant, sors. Go now. Get out. Sors. Get out. Sors, 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 sors. Get out. Esprit de mort. Spirit of the dead. Esprit de mort. Spirit of death. Sors, va-t'en. Get out and go. Et ne reviens plus. And no more, no longer come. Sors, va-t'en. Get out and go. S'il y a un démon, if there is a demon, envoyé pour voler tes biens, that has been sent to steal your wealth, qui te suit partout, and follows you everywhere, tu déposes 100 francs et ramasses, you put down 100, he takes it. Tu achètes le riz, ça finit vite. You buy the rice, it finishes. Ils sont là. They are there. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? You ask yourself, what's going on? Je ne peux pas économiser. I cannot save money. Tous ces démons-là. All these demons. Qui entretiennent la pauvreté. That keep poverty. Si tu es là, démon. If you are here, demon. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en, sors. Go, get out. Et tu laisses tout ce que tu as volé. And you leave all that you have stolen. Laisse tout et tu t'en vas. Leave everything and go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si tu es un esprit humain, if you are a spirit, human spirit, d'un vivant, un homme qui est encore vivant, of a man who is still alive, mais qui t'a envoûté, but who has bewitched you, que tout ce que tu fais c'est pour sa gloire, that all that you do is for his glory, il t'a envoûté, he bewitched you, il t'a attaché, bound you. Il n'est pas mort, il est vivant. He's not dead, he's alive. Parfois il te rend visite. Sometimes he pays you visit. Tu crois que c'est un ami. He's a friend. Alors qu'il t'a envoûté. Whereas he has bewitched you. Tu es libéré. You are released. Tu s'en ailles. Let it go. Esprit humain. Human spirit. Va-t'en. Go. Nous te foudroyons. We strike you down. Et ne reviens plus jamais. No more come back. Jésus-Christ. Jesus Christ. La
Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, nous cassons toutes les bouteilles. Say, we break all the bottles. Et qui ont été utilisées pour envoûter quelqu'un. That have been used to bewitch someone. Prie que s'il y a quelqu'un ici qui a été envoûté dans une bouteille, qu'il soit libéré. Pray that if there's someone here who has been au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous libérons toute âme. We release to us any soul. Présente ici. Present here. Victime d'un envoûtement. Victim of bewitchment. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, nous libérons toute âme. Say, we release any soul. Victime d'un envoûtement. Victim of bewitchment. Le Seigneur est en train d'agir. Soyez concentrés. The Lord is at work. Let us be focused. Dis, aucune âme ici. Say, no soul here. Qui a été mise en bouteille. That have been put in a bottle. Cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous libérons cette âme. We release that soul. Cassons la bouteille. We break the bottle. Cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous libérons son âme. We release his soul. Ora bakashoro 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 baka. Ora bakashoro 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 baka. Left arm droite. Raise your right hand. Dis si quelqu'un est en ligne. Say if someone is online. Qui en prière. Who is in prayer. Si cette personne a été envoûtée. If that person has been bewitched. Dans une bouteille. In a bottle. Nous cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous libérons son âme. We release his soul. Cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous libérons son âme. We release his soul. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis si quelqu'un a été envoûté dans une tombe. If someone has been bewitched in a tomb, quelqu'un a été envoûté dans une tombe, if someone has been bewitched in a grave, qui est présent ici dans, who is present dans here, cette cour, in this présent yard, sur cette cour, present in this yard, nous cassons cet homme, we break it, nous brisons cet homme, we break that man, nous libérons son âme, we release his soul, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un est avec nous en prière, so if someone is listening to us, quel que soit l'endroit où il se trouve, wherever he is, s'il a été mis dans une tombe, if he has been put in a grave, nous cassons cet homme, we break your grave, nous libérons son âme, we release his soul, nous proclamons sa liberté, we proclaim his freedom. Dis si quelqu'un parmi nous ici, if someone in our midst here, a été enfermé dans une prison. Has been locked in a prison. Même si c'est une prison gardée. Even if it's a prison that is kept. Nous enchaînons les gardes. We put in chains. Nous les frappons de paralysie. We strike them with paralysis. Nous cassons la prison. We break the prison. Nous cassons la prison. We break the prison. Nous libérons son âme. We release his soul. Nous libérons son âme. We release his soul. Nous libérons tout ce qui lui appartient. We release what belongs to him. Dis si quelqu'un est avec nous en prière. Say if someone is with us in prayer. S'il a été enfermé dans une prison. He has been locked. If he has been locked in a prison. Nous cassons cette prison spirituelle. We break that spiritual prison. Nous brisons cette prison spirituelle. We break that spiritual prison. Nous brisons cette prison spirituelle. We break that spiritual. Nous cassons cette prison spirituelle. We break that spiritual prison. Nous libérons son âme. We release his soul. Nous libérons son âme. We release his soul. Dis si la personne est en ligne. Say if the person is online. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Wherever he can be found. Nous brisons cette prison. Break that prison. Nous libérons son âme. We release his soul. De toute captivité. From any captivity. Dis captif. Say captives. Sortez de prison. Get out from prison. Kabakashara kabakalakashara. Lève-toi. Rise up. Appelle les apôtres du Seigneur Jésus. Appelle les prophètes du Seigneur Jésus.
appelle les évangélistes, appelle les pasteurs et les docteurs. Introduis-les dans la famille. Call the apostles, the doctors, the pastors, the evangelists of the Lord Jesus. Convoque-les. In your family. Fais entrer les disciples de Jésus. Make them enter in your family. Qu'ils entrent avec un évangile authentique. Let them enter with a genuine gospel. Un évangile authentique. A genuine gospel. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que l'évangile entre. Oh Father, envoie les apôtres dans la famille. Envoie les prophètes, envoie les pasteurs, envoie les évangélistes, envoie les disciples, envoie au village, envoie dans les villes du Cameroun, envoie dans les villes d'Afrique, partout ils se retrouvent. Envoie. Qu'ils rencontrent chacun qui présente l'évangile authentique au nom de Jésus-Christ. Oh Père, dis au Père, oh Father, accorde-nous cette grâce-là. Grant us that grace. Entre avec nous dans cette bataille. Enter with us in this battle. Bénis tous ceux qui sont en contact avec nos familles. Bless all those who are in touch with our families. Tous tes serviteurs qui sont en contact avec all nos familles. All your servants who are in contact with our families. Même s'ils sont des autres ministères. Even though they are from other mais ministries. S'ils invoquent sincèrement ton nom. But if they sincerely call upon your name. Bénis ce qu'ils font dans nos bless familles. Bless what they do in our families. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Offering to Jesus. Les cris de victoire. Shout of victories. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Il agit aujourd'hui à Abidjan. Comme hier à Nazareth. As yesterday in Nazareth. Veuillez vous asseoir. Get seated. Six témoignages authentiques. Genuine testimonies. Six témoignages authentiques. Six genuine testimonies. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Notre Dieu est merveilleux. Je suis le frère Douan Lamenga d'Eric. Mon faisait c'est le pasteur Traoré. Ça suffit. Je suis béni au nom de l'Éternel. Car ça fait un peu longtemps que je sentais une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je croyais que c'était le sport. Quand je pratique les activités sportives, je fais de la musculation. Mais ce n'était pas ça. Aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, j'ai senti une douleur forte au niveau de mon bas-ventre. Ça a attrapé tout mon ventre. Et un coup, la douleur a disparu. Je voulais bénir au nom de l'Éternel, que son nom soit élevé. Guéri authentiquement. Genuine healed. Guéri authentiquement. Genuinely healed. Quickly. Excusez. Il m'a délivré de l'esprit de serpent. Alléluia. Quand le pasteur priait pour les serpents qui étaient dans l'eau, qui nous tenaient captifs, je me suis vu dans une eau, c'est-à-dire au village. Pendant les vacances, j'étais parti au village. Et là-bas, il y avait une eau sacrée, une personne qui nage là-bas. De moi, je ne savais pas, je suis parti dans l'eau. Or, il y avait un gros serpent au fond de l'eau. Lorsque le pasteur a prié pour qu'il nous libère, j'ai vu ce serpent me cracher sur la rive. Alléluia. J'ai vu ce serpent me cracher sur la rive et automatiquement, il m'a une chose. Il y a une épée qui a quitté au sol et détruit le serpent. Vider tout l'eau. Et sous l'eau, il y avait plusieurs biens de ma famille. Les voyages, les bagues, les voitures, beaucoup de choses. Donc, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Amen. Délivrance authentique. Genuine deliverance. Là-bas. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Yedes Iris Marcel, épouse d'Euro. Mon faisait de disciples, c'est pasteur. Parce que j'adore ce papa une fois. Donc, quand papa prêchait, il donnait les paroles de prière, qu'il disait que les serpents. En même temps, dans la vision, je me suis retrouvée au village. Et dans le village, je me suis retrouvée dans la cour. Et c'était comme si mes tantes, mes parents étaient assis. J'ai vu un gros serpent. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma tante disait que c'est toi depuis on attend. Depuis, tu es jeune et tu es marié, donc ça nous fait mal. Donc aujourd'hui, le serpent va vomir tout ce qui t'a pris. Et je voyais mon visa qui était sorti. Je voyais de l'argent, je voyais beaucoup de choses. Et en même temps, dans la vision, j'ai commencé à parler en langue. Et lorsque papa a dit amen, j'ai commencé à parler en langue en même temps. Et lorsque le serpent a commencé à vomir, que la fin de vomir, les denis sèchent en même temps. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux, délivrance authentique. Genuine deliverance, Lord, you are wonderful. Gloire à Dieu, je suis la sœur Asievira Kevin.
Gloire à Dieu. Il faut dire que le Seigneur délivre de la mort. Tout à l'heure, quand papa proclamait que nous cassons les bouteilles, j'ai vu comme en vision, les bouteilles se cassaient par le feu. Et je voyais les gens sortir des bouteilles, ils ont commencé à grandir. Et j'ai vu encore des tombeaux brûlés par le feu. Les gens sautaient, c'était rempli de fumée. Jésus Christ. Jesus Christ. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la mort. Il a enlevé le coton dans mon nez. Il m'a dit, ma fille, lève-toi. Et je crois que je suis guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.